Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode Papy Corse s'éclate sur Art Survival. Il est 18h51 et on est vendredi 20 décembre 2019. Voilà. Donc on va voir ce qu'on a dans l'aigle pour pouvoir construire. Continuer à construire. Donc du bois, c'est de la pierre. Ah ouais, de la pierre, c'est bon là, je vais pouvoir en faire pas mal là. Hein, ah non, je suis trop plein. Ok. 2. Donc là, ça m'en fait 2. Donc il faudra que je fasse des portes. Non, on porte plein. Voilà, on va mettre ça aussi. Et du bois. Oh là, j'ai plus que ça comme bois. Ça va être un peu short. Bon. 3 et 2. Allez, on va faire 3 et 2. Hein. Voilà. Ça, on va le ranger. Voilà, on va continuer comme ça. Oh là, je vois rien du tout là. Ouais. Attends. Hein, ouais. Oh, vivement qu'il la vire cette neige pourrie là. Purée, c'est énervant. Il y a un raptor qui est rentré chez nous. Ah bon? Ah, un nouveau. Voilà, cool. Voilà, peut-être enlever le corps, hein, ça va être mieux. Parce que là, on va. Attends, je vais le mettre devant. Alors là, je suis à la ramasse. C'est mieux. Ok, c'est pas mal ça. Hop, on va mettre les portes. 4. Voilà, 4. Hop. On met un. C'est bon ça. C'est cool. C'est cool on the gang. Alors là, on va mettre un autre. C'est plus facile à construire qu'à placer. Hein. Parce que je suis bien là. Ouais, c'est bon. Oula, c'est limite. Ouais, c'est bon. Impec. Alors, ensuite. Hop. Ah, je suis sur le col. Hein. Ok. Bon, c'est pas mal. Hein. Donc, on va mettre les T-Rex ici. De ce côté derrière, on va mettre les Mégathériums. Donc, je vais aller chercher 2 Mégathériums dans les cryos. Et on va laisser une cryo dans chaque animal. Quoique s'il meurt, il est perdu, non? Je sais pas. Allez, un petit coup de World Again of War. Purée, c'est gelé. Oh là, j'ai plus beaucoup de... Attendez, hein, je vais remettre de la viande dans le baby T-Rex. Parce que là, il diminue pas mal. Faut remettre de la viande aussi dans la mangeoire. Alors, il a combien là? 5-4. Voilà, ok. Allez, on va chercher. On va prendre un autre T-Rex, hein, Crocodila 226. Et les 3 mâles Mégathérium. Non, attends, on va faire un mâle, femelle, femelle. Un mâle, deux femelles, ouais, ok. Bon, on va prendre des cryos. 3, 4. Ah, il faut. J'espère qu'il y en a encore des cryos parce que faudra rentrer les animaux ce soir. Ouais, il y en a, c'est bon. Ouah, tous les animaux cryos. Salut Punch, comment vas-tu Punch? C'est la forme. Nous, ça va, tranquille, tranquille. Alors là, on va mettre Crocodila et c'est 178, 199, on va mettre le meilleur. Hein. Alors, qu'est-ce que t'as à l'intérieur, toi? 8900 de vie, c'est moyen. Hein. L'attaque, il est bien. L'attaque, il est bien. Allez, on va le cryopoder. Lui, c'est un mâle, hein, je crois. Il s'appelle comment? Comment tu t'appelles, toi?
Rem. Ah, c'est Rem. C'est Rem. Plus de nouvelles de Rem, là. J'espère qu'il va bien. Allez, on voit un de cryopodé. On va aller chercher une femelle. On va la cryopoder aussi. Femelle, 192 la femelle, c'est pas mal, hein, c'est la meilleure. Corse. Allez, on va prendre Corse. J'aurais dû voir ses stats avant. Ah bah attends, on les voit dans la cryo en fait. Non, je pense, hein. Ça c'est Corse, voilà on voit. Oula, 6007 de vie, ah, c'est zéro ça. Attaque 407. En attaque, elle est bien. Ouais, la vie, il faudra peut-être augmenter un peu, hein. Elle va faire glace, elle. Voilà, donc ça, j'ai mes deux Mégatherium. Et on va mettre Crocodila et notre meilleur Yuti. Voilà. Alors, Crocodila, elle va aller au charbon aussi, elle. Hop. On va voir ses stats avant. Comment elle est. 15 000 de vie, elle est bonne. Attaque 477. Ah bon, elle est opérationnelle. Alors. 500 d'attaque, allez. Attends, il a soif, lui. Hop, bois un petit coup, patron. Voilà. Ah, il a plus d'eau. Ah, attendez, faut que j'aille faire boire Gaston. Il a plus d'eau dans sa gourde. Hop, je le remplis au robinet. Hop, accès à l'inventaire. Remplis ta gourde, c'est du tout bon. Et tu retournes voir le T-Rex Baby. Et voilà! C'est cool. Bon. 15 500 de vie et 510 d'attaque. Ça, c'est cool. Hein? Ça, c'est cool. Allez, on le cryo. Crocodile. Qu'est-ce que je fais? Non, tu le cryo. Voilà. Enfin, si tu pompes pendant que. Hein? Voilà, super. Impeccable. Et notre meilleur Yuti, parce qu'il nous faut un Yuti aussi. Et un Déodon, mais ça on va déjà faire le Yuti. Lequel qui est meilleur? On a un Royan niveau 28, non. C'est une blague. On a un Yuti niveau 28. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Il a 30 niveaux à prendre. C'est quoi qu'il faut lui mettre? C'est l'énergie, je crois. Hein. Le Yuti. Tio, tu sais, non? T'en rappelles? Oui, le Deodon, c'est la nourriture. Donc lui, c'est l'énergie. Hein. Allez, on va mettre 30 niveaux dans l'énergie. Allez, on se prend la tête. Voilà, là, c'est déjà mieux. Là. Voilà. 2948 d'énergie, mais bon, c'est un niveau 58. Hein. Rémi, il a déjà joué sur ton privé, tu n'as pas son île comme sur PS4 pour lui envoyer un message. Non. Je ne sais pas pourquoi il. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien parce que ça m'embêterait bah, qu'il lui arrivait quelque chose déjà. Et puis qu'on soit fâché parce que je vois pas pourquoi. Donc, je sais pas. Je sais pas qu'est pas ça des nas. Donc, toi, je vais boire un coup. Là, je vais mettre aussi par la suite des portes dino, hein, pour pas qu'il y en a qui arrivent par l'eau. Hein. Si on s'est déjà fait. Attends, je vais remplir la gourde aussi, ça sera mieux. Voilà. Il y a prix de zout aussi, hein, j'ai plus de nouvelles de prix de zout, hein, pareil. Hein, et de Pierre-Paul Jacques, Zattam. Voilà, il y en a trois où je sais pas. Bon. Alors, on va prendre Edith, c'est niveau 178, c'est la meilleure Yuti. Ouais, allez, hop. On va voir. Énergie 5000. Ah ouais, c'est quand même mieux l'énergie. Hein. Ouais. Voilà. Donc, quand même 2000 de plus. Ah, en plus, il a la selle légendaire. Bon, bah, c'est bon. Hein. Attaque, on s'en fiche. Hein. C'est surtout l'énergie. Ça me fait un peu court, moi, l'énergie. Là, 5300, ça me fait court. Hein. Allez, on le cryo. De toute façon, c'est notre meilleur. De quoi?
Ah ouais, tes aigles. Ouais. Allez, on va mettre ça. Mon aigle, il est là. Bon, bah ça se prépare. On prépare, je prépare l'araignée, mon tuteur. Hein. Ah ouais, là. Cool. Hein. Dès qu'on a les 20 animaux, on va chercher les artefacts et on y va. Hein. Ah ouais, ça repop la pierre, c'est génial. C'est génial. Donc le Yuti, on va le mettre là, par ici. On va pas mélanger les crayons et les papiers. Hop, voilà, cool. Bon, je suis content, ça avance. Faudra faire pareil en officiel, mais au dernier moment, tout ça, toi. Après, si on est 10, une dizaine dans la tribu, c'est jouable. Hein. C'est jouable. Hein. Chacun sort deux animaux au cryo, on a les 20, et voilà. Hein. À 10, on va faire le boss. C'est tranquille. Hein. Donc, on a Cédric, à toi et à moi. Il faudra 7 autres joueurs là qui puissent. Mais c'est jouable. Hein. Allez, on va essayer de continuer donc. J'ai des cailloux en bas, là. Pas la peine d'aller à Pétoche mettre les bancs. Voilà, on va prendre des cailloux ici. Ça me fait du métal, les cailloux ronds là. Oh là, attends, là, je suis trop lourd dingue là. Ah, toi aussi? J'en ai deux, moi, mais c'est pas l'engramme, c'est le. Ah, il est à 400 et quelques de. L'armure. Non? Il y a combien? Combien? 330? Ouais. Bah, ouais. Ouais. Oh bah faut le mettre au dernier moment, comme le chibi, comme t'as dit, hein, le casque. Bon, on va mettre plein de pierres dans l'aigle, comme ça je vais pouvoir les enchaîner, les structures. Bien. Ok Google, tu nous racontes une petite anecdote. Très bien, c'est parti. J'ai lu sur wikipedia.org que la licorne est l'animal national officiel de l'Écosse. Ah bon, je savais pas. Tu savais toi? T'en fous. Ouais, ça, je m'en doutais un peu. Ah, je savais pas. Hop là. Ah, bah, ça se remplit bien les cailloux là, comme ça. Sinon, il y a un gacha pour info là, au drop rouge en bas. Hein. Ça que je vais faire, oh, c'est pas grave. Ça sera le sortir. Caillou, j'en ai pas mal. Donc, ça aussi, donc c'est le bois maintenant. Allez, on va chercher du bois. Ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça, enfin, les cailloux, t'as qu'à faire. Hein. Qu'est-ce que tu me proposes, toi? Juste un schéma. Ah, bah, tu parles avec ça, on peut être. Oh, allez, maintenant. Ah là là, je commence à mettre les animaux là-haut.
Pourquoi pas ce soir? Non, je pense pas que ce soir on va pouvoir le faire. Demain, ça va être juste. Moi, je pense que dimanche, on l'a fait. Hein. Ce soir, on pourrait la faire, mais. C'est possible. 19h07, faut que je fasse un épisode de 175. Ouais. Je sais pas. Alors, on va faire ça, voilà, et la pierre, voilà. Une, deux, voilà, cool. C'est le bois qui me manque. Ah, ouais, c'est bon, hop. Ok, donc ça va être le bois qui va me manquer, nickel. C'est calme le live. Ouais, c'est calme, Nico. Bah écoute, c'est le début du week-end. Hein. Puis c'est construction. C'est tout doux. Hein. Pas de problème. C'est pépère. On va chercher du bois là. Allez, il y a du bois à côté. Ils sont timides ce soir. Qu'est-ce que tu as eu dans la gacha? Dis-moi, Rexouille. On t'écoute. Du bois. Le week-end, tu veux faire. Ouais, alors oui, je fais le boss là. Ouais, là, je pense que voilà, dimanche au plus tard. Hein. Ouais. Pioche en pierre mythique. Ah ouais, t'as raison, j'ai rigolé avec celui-là. Hier, j'ai eu une pioche en pierre épique. Donc toi, t'as mieux fait, toi. J'ai dit ça à Patou, elle était morte de rire. Alors là, une pioche mythique en pierre, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, franchement? Ouais. Ah ouais. Ah non, mais franchement, c'est abusé, non? Ça, ils devraient nous le donner dans des drops où on peut avoir au niveau, je sais pas, moi, au niveau 10, tu vois. Niveau 10, t'as des drops... Je pense parce que c'est incroyable quoi. Je savais même pas que ça existait moi les pioches de couleur mythiques et épiques et légendaires tu vois. Franchement. Ah bah c'est bon, ça avance bien là. Oui, ils sont neutres, ouais, pourquoi? Bah si tu as des gommes, non, mais si t'attaques, oui. Si te porte un coup, oui. Ça va les exciter. Après, ils sont pas rangés, mais bon, disons que c'est pas fini le tour. Donc faut faire attention, quoi. Après, ils peuvent s'exciter. Si le tour il est fini, ils vont pas sauter dans l'eau. Hein. Salut Zeus, comment va Zeus? Bien, bien, bien.
Pec, 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 bien, c'est le week-end, ça. Et ouais, c'est le week. C'est le week que je préfère. C'est le week. Allez, on va mettre tout ça en ordre. J'ai 8 et 6 portes. C'est génial, ça. Bon, ça va vachement avancer, là. Puis je vais sortir un bébête. Un petit bébête. Tranquille, tranquille, Zeus, bien, 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 c'est le week, j'ai 2 jours de bion. Eh ouais, ça va me faire du bien. Très, très fatigué ce matin. Un lapin a tué un chasseur. Hop, c'était un lapin qui n'avait pas de fusil. Chop. Allez, hop, on continue dans la bonne humeur. Ah, oh, ouais, c'est bon. Allez, le 4, une... Ah oui, je sors une bébête. Alors là, il y a le Yuti. Là-bas, c'est les T-Rex. Et là, on va mettre les méga. Alors là, c'est un autre T-Rex. Ah, c'est Crocodile. Tiens, je vais sortir Crocodile. Alors, j'ai Andouillette. J'ai Tirlititi. Bon, c'est des noms. Hein. Bon, ok. D'accord. Bon. C'est comme ça. Voilà, hop. Voilà, Miss. T'inquiète. Voilà, voilà, un mâle et normalement 2 femelles à droite et à gauche. Normalement c'est comme ça. Que je fais? Je suis contente de pas t'avoir raté aujourd'hui vu que je pourrais pas te croiser. Demain je serai en coup de vent demain, Zeus. Programme du jour. Alors j'espère le faire dernier délai dimanche. Voilà. Tu vois là je suis en train de mettre les bébêtes. Je suis en train de mettre des portes dino tout autour. Parce qu'il repop le caillou, bon, on s'en fout. Mais des animaux, et si c'est un carnivore, ça va exciter mes bébêtes qui sont en neutre, pour qu'ils se défendent, évidemment, et on peut se faire grailler. Et s'il y a le désordre, ils peuvent tomber dans l'eau. Donc si je mets les portes tout autour, ils ne peuvent plus tomber dans l'eau. Voilà. Donc c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Alors je me tâtais à faire le boss ce soir. Je sais pas, je ne pense pas. Demain, ça va être short parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Dimanche, j'espère. Franchement, j'espère. Dès que j'ai mes 20, façon, dès que j'ai mes 20 dinos qui sont là-haut, Yuti et Déodon inclus, ben on y va, on attaque. On fait l'araignée gamma. Hein. Voilà. Hein. Donc, ça sera mémorable. Hein. Ça sera un jour mémorable que je noterai sur ma feuille. Hein. Comme mes 1 an de Twitch, c'est mémorable. 1 an de Twitch et le premier boss. Voilà, le premier boss que je ferai au bout de plus de... Ouais, je suis presque à 5000 heures. Hein. 4000 heures avec Papy Corse et 1000 heures avec Gaston. Hein. Donc ça fait 5000. Jamais fait de boss. Voilà, on a été invité 2 fois par Kaiser pour faire le boss. J'étais hyper content de ramener le drapeau, tu vois. Et là, j'aimerais bien ramener le trophée plus les éléments, tu vois. Et ça serait à moi ou avec Patou, ça serait génial. Ah ouais, là, ça sera une victoire, tu vois. Une victoire sur le privé. Et si je pouvais faire ça sur l'officiel, waouh, c'est une victoire sur tous les autres qui nous ont bêtés depuis... Ah ouais, ouais, ouais. Alors là, ça serait la plus belle victoire que je pourrais faire. C'est de faire au moins un boss sur l'officiel. Ah ouais, ouais. Ça serait cool. In the gang. Allez, on continue donc à mettre mes petites... voilà, hein, tranquille, tranquille. Ouais. Ah, il y a un petit espace là. J'aime pas. Je le sais, j'aime pas. Allez, hop. Attends, ça, on va l'enlever. Voilà. Voilà, on va bientôt finir le tour. Là, j'en ai pas mal en plus. J'en ai fait pas mal. Allez, hop. Mets-toi bien contre l'autre, toi. Hop là, normalement c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon là. Cool, cool, cool. À pas profiter d'un énorme moment en x5, voire plus comme il y a déjà eu. Pas trop possible. Ah, il faut y croire. Faut y croire, Zeus. Faut y croire. Allez, faut être optimiste. On va y arriver. Comme je disais tout à l'heure, avant que tu arrives, si on est 10 dans la tribu, voilà, hein, chacun fait 2 animaux. Hein? On ramène chacun nos 2 animaux, ça fait les 20. On balance nos 2 cryos en espace de 5 minutes sur le drop.
Et on fait l'araignée. Hein. Après, si les autres ils voient qu'on le fait, ils viennent, ils nous pètent tout, on s'en fout. On a fait l'araignée, moi je suis content. Hein. Voilà. Donc, c'est histoire de faire l'araignée, quoi. Après, ça sera peut-être pas forcément sur le 175. Ça sera peut-être sur un autre serveur. Mais ça serait cool. Franchement. Ah, encore un petit espace de rien du tout. Oh, mais dis donc. Ouais. Alors là, ça dit quoi là? Bah voilà. Mister on the rocks. Voilà. Ouais, ça c'est bon. Ticket. Hop là, nickel. Eh, on y arrive là. Allez, il reste plus qu'un quart. Comme ça, je ressors un petit animal après, tranquillou. Ah, il va bientôt y avoir les cadeaux. Non, tu vas pas là ce soir? Alors, voyons voir. 4. Hop là, voilà, génial. Allez, c'est cool ça. Attends, je sors un petit mégatherium. J'en ai pas sorti, non? J'ai sorti. Ouais, j'ai sorti les T-Rex. Le Yuti dans le coin. Voilà, on va bien, bien. Voilà. Alors là, les mégatheriums, il va y en avoir pas mal parce que c'est eux qui vont au charbon pour l'araignée. Normalement, en priorité, je vais le mettre ici. Voilà. Allez, hop. Cool. Voilà, alors là, c'est Corse qui est là. Bon, c'est pas des super gros niveaux, mais voilà, c'est. On les a fait hein, gentiment. Allez, on continue ça. J'en ai encore combien? Deux. Hop, j'ai peut-être plus les portes par contre. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, super. Les portes, non, j'en ai plus. Bon, on va continuer sans les portes, on les fera après. Là, c'est pas mal, là. Ouais, c'est pas mal, hein. Eh, bien, bien, bien. Cool. Voilà, ça, attends, là, faut que ça soit collé, scellé. Ça dit quoi là? Ouais, nickel. Voilà. On va faire la pierre. Pourquoi pas? En plus, ça repop. Donc, pop. Allez, hop. Ça, c'est bon. Faire les cailloux là-bas. On va aller rechercher les animaux ensuite. Je ferai bien des nœuds neufs là. Hein. Ouais, je vais faire des nœuds neufs là. Allez. Je pense qu'ils sont. Non, pas avant de terre. Autre option, voilà. Permettre l'accouplement. Toi, normalement, t'es accouplement. Permettre à. Non? Ah bon? Charlie Titi, il n'était pas en accouplement. Ah ouais. Permettre l'accouplement. Ah ouais. En train de s'accoupler avec andouillette. Voilà. Donc Tiller Titi s'accouple avec andouillette et crocodile. Bien. Pic. À dimanche, Zeus. Merci d'être passé de ton petit coucou et très très bonne soirée en famille. Hein. C'est très très important. Et très bonne soirée à toi et bon courage pour ce week-end. À bien te reposer avec ton mari. Ciao, ciao, Zeus, et merci encore. À dimanche, j'espère. Pour le boss. Peut-être le faire avant, je sais pas, mais on le fera une deuxième fois le boss si je le fais avant. T'inquiète, pas de problème, Zeus. Voilà, donc là j'attends les neufs. Je vais les mettre en truc après, là, en truc muche.
Voilà, bon, j'ai des niveaux, hein, bon, 261, 231, 241, ça va de 10 en 10, et ils sont tous séchés. Il manque le 251, on a le 4 haut. Pech. Bientôt vers le 9, ça s'accouple, ça s'accouple, il s'accouple lui, hein, on dirait pas. Parce qu'il y a des cœurs rouges là qui battent, mais lui non, pourquoi? Prêt pour l'accouplement, ah d'accord, dans 14h, et voilà, c'est pour ça, d'accord, bon bah alors non. J'aurai qu'un de 9, désactiver l'accouplement, ouais. Elle est pas prête, elle. Voir ses ragnagnas, elle. Ouais, lui aussi il doit les avoir. Ouais. Hop là, tine 9. Merci ma poule. Autre option, désactiver l'accouplement. Hop là. Allez, on va le mettre. 2h30. Faut pas que je l'oublie par contre avant de déconnecter. Oh bah là, j'ai bientôt fini. Là, il m'en manque combien là? 6? 5 ou 6? Allez, on va le couver, lui. Encore un bon petit T-Rex, ça, j'espère. Il y a une structure à péter, en fait. Allez, hop. Voilà, on va allumer ça. Là, on va le mettre là et hop là, la gaine info. Et voilà, dans combien de temps? 2h30 normalement, ouais, 2h30, 19, 20, 21, ça fait 22h, Marc. Pourquoi pas? Ok, Google, tu mets une alarme dans 2h25 minutes. D'accord, votre alarme est réglée à 21h48. Bon, oui, c'est bon, 22h, pourquoi pas? Peut-être faire le boss ce soir. Hey. Donc, merci de m'avoir suivi à cet épisode. Rendez-vous au prochain. Ciao, bye bye.